Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux abonnés. Dans cette vidéo, retour d'une bourse aux jouets, le Landron suisse. Alors, il y avait une partie brocante en plein air où j'ai pas trouvé de miniature, du moins rien d'intéressant. Et à l'intérieur de cette brocante, il y avait une salle avec une mini bourse aux jouets d'une quinzaine de stands où là oui j'ai trouvé quelques jolies miniatures. Alors on commence par cette Porsche 911 donc chrome de chez Majorette. Alors modèle que j'ai déjà dans la collection mais qui est pas de cet état. Celle-ci elle est vraiment en très très bon état. Il y a juste un petit peu de peinture sur l'aileron, mais à l'arrière. Mais sinon, elle est en très très bon état. Alors, il y a du Majorette et du Matchbox dans ce que j'ai trouvé. Donc, on continue avec cette Jaguar XJ6 de chez Matchbox. Un modèle que j'ai déjà en Bordeaux. Mais je l'avais pas en bleu. En très très bon état. Magnifique pièce. Majorette, une Citroën CX. J'avais pas encore de CX dans la collection. Alors, elle n'est pas parfaite, parfaite. Elle a quelques petits pocs de peinture. Mais sinon, elle a ses ouvrants. Très, très jolie miniature. Matchbox, cette Mercedes 600 SEL. Donc la classe S, un parfait état, modèle que j'avais pas de cette couleur, j'ai un gris, je l'ai présenté d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Enfin, deux trois petits pocs sur le pare-choc à l'arrière, mais c'est pas méchant. Voici, je la trouve plus jolie de cette couleur qu'un gris personnellement. Après, chacun ses goûts. Et je pense aussi moins facile à trouver de cette couleur que la grise. Majorette, ce Mitsubishi Pajero. Version course. Je sais pas si on peut appeler ça version Dakar, mais version course en tout cas. Modèle que j'avais pas encore dans la collection. Alors une jolie trouvaille pour moi. Et relativement en bon état. Deux, trois petits pocs de peinture, mais c'est pas méchant. Matchbox, cette Rolls-Royce Silver Shadow 2. Alors, salutations à Sil Miniature, si tu regardes cette vidéo, celle-ci devrait te plaire. Je crois que tu l'as déjà dans ta collection, il me semble avoir vu dans tes vidéos. Voici, moi j'en avais déjà une, mais avec quelques petits pocs de peinture. Celle-ci, elle est vraiment en très très bon état. Faut que je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas une variante de couleur au niveau de l'intérieur ou... Comme ça par rapport à celle que j'ai. Je l'ai pas sous les yeux l'autre. Voici. Très 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 belle miniature. On est sur un copyright de 1979, celle-ci. Majorette, une Ford Thunderbird. Alors, coloris que j'avais pas dans la collection. J'ai en plusieurs variantes.
mais je l'avais pas encore en noir. Il n'est pas en parfait état, mais il n'était pas trop cher non plus. Raison pour laquelle j'ai prise. Majorette, une Auto Bianchi à 112. Modèle que j'avais pas dans la collection. Je suis très content de cette rentrée pour moi. Très jolie miniature. En parfait état. Alors j'ai dû sortir un petit billet pour celle-ci, mais je regrette pas. Donc c'est une made in France. Majorette, une Citroën XM blanche, coloris que j'avais pas, de la XM encore. Également en très bon état. J'ai en vert, en grise, sauf erreur, mais je l'avais pas en blanc. Et là, le capot qui s'ouvre. Majorette, une VW Golf GTI, Golf 2. Quelques poques de peinture. Pas méchant, je ne l'avais pas encore en jaune, je l'ai en vert, mais pas en jaune. Alors, une rentrée de plus pour moi. Matchbox, une Citroën SM. Alors, je crois que c'est Bus Miniacris, salutations à toi, qui en a présenté une le week-end dernier. J'avais dit que j'en cherchais une, un prix correct, un bon état. Ben, la voici. J'ai trouvé. Alors, y a quasiment rien, juste une petite égratignure à l'arrière, mais puis juste un petit truc sur le capot, mais c'est pas bien méchant. Très très content de cette trouvaille. Matchbox, une Jaguar XJ 220. Alors, je n'avais pas en gris, j'ai en bleu, celle-ci. Et je n'avais pas en grise. Elle est en très très bon état. Il y en avait deux, j'ai failli prendre les deux, mais après j'ai dit, bon, j'en prends déjà une. Et la dernière de celle que j'ai trouvée, cette majorette, une Jaguar XJ6. Donc l'autre c'était une Matchbox avant. Voici la version majorette. Donc un très très bon état, modèle que j'ai déjà dans la collection de cette couleur. Mais la mienne a aussi un petit poke dessus. Elle est très, un très bon état, mais je sais qu'elle a un petit poke dessus. Alors celle-ci, elle est en super bon état. Donc voici, on va juste comparer la Matchbox puis la Majorette pour finir. Alors on n'est peut-être juste pas sur le même millésime. Donc la bleue, la Matchbox, la grise, la Majorette. La Matchbox, c'est un copyright de 1991. La Jaguar, c'est plus une made in France, donc je pense qu'on est après 92. Je sais pas s'il avait existé un made in France. Déjà, c'est s'il faut que je regarde. Si tu as un coup, c'est pas une made in France que j'ai. Voici. Enfin, voici pour juste pour ce petit comparatif. On peut voir quand même une
notable différence entre les deux modèles. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, commenter et si c'est pas encore fait, à vous abonner. Cette bourse aux jouets avec la brocante, c'est tout le week-end. Donc c'est pas exclu que je fasse un petit tour de nouveau pendant le week-end. Voilà. Merci à tous, à bientôt.